messieurs, bonsoir et bienvenue dans MMB, le concentré sucré de bonne humeur qui vous redonne du tonus tous les soirs, du lundi au vendredi, 20h05 sur RTI2. L'invité de MMB fait partie de ce cercle très restreint des self-made men, du black market d'Adjamé au tapis rouge du Festival de Cannes. Il est passé par tous les métiers. Avec l'homme d'affaires qui ne se donne aucune limite, MMB ouvre le débat. Dans le couple, l'adultère de qui est facilement pardonnable, justement. Quand tromper l'autre devient un jeu, à qui remettre la médaille de la miséricorde, on le saura dans un instant. Et puis, cette semaine, Patty, notre selfie paparazzi, justement, prend le pouls du ramadan avec l'artiste Papou qui nous fait des confidences, bien sûr. Et justement, loin des confidences, sa passion est un livre ouvert où chacun peut y puiser, évidemment, sa musique préférée. Je vous demande de faire un triomphe pour le roi des platines, Derka DJ. You say you must marry me, you gon' love me, you gon' kill me, baby, you gon' follow me, you're my remedy. Baba, now we need to Derka DJ. Merci Derka, justement, tous les mercredis, il faut le savoir, son sourire cathodique nous invite à savoir que c'est le milieu de la semaine et relâcher la pression avec la bimbo de MMB. Voici Patricia Kwa Diaw quand même. Justement, et vous le savez, c'est avec plaisir qu'on la retrouve tous les mercredis pour apprécier son déhanché endiablé. Voici la mémé la plus célèbre de la télé. Voici mémé Cracra quand même. Stop, make you no cry again. J'adore, hein. Ah. Merci ma fille. Allez, Mémé Cracra, la mémé la plus musclée de la télé, oui, oui, justement. Merci, hein, Mémé Cracra, pour cette superbe ambiance. Et comme tous les soirs, vous le savez, c'est Patricia Yeo et Hussein Youyou qui assurent la réalisation de cette émission. Voici tout de suite les news de MMB. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Cash à Gogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, cadeau, K-D-O, par SMS au 98-114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cadeau KDO au 98-114 et tente ta chance. Cadeau au 98-114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coût du SMS 100 francs CFA. Entre potins, buzz et actualité, c'est le moment de la pause qui s'impose pour une bonne dose de news. Madame, monsieur, bonsoir et merci de recevoir chez vous la dose du jour certifiée MMB. À la carte 225 de ce jour, le Zagrobi. Danse de l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez le peuple bété, le Zagrobi se caractérise par la nature du message qu'elle transmet. Une histoire immuable et très ancienne
selon laquelle, après plusieurs jours de marche dans une forêt sacrée, un chasseur a interrompu des génies en plein rituel. Ce dernier s'étant échappé a finalement été rattrapé par les génies qui ont fini par l'initier à la danse Zagrobi. Une danse pérennisée par les anciens et exécutée seulement pendant les mariages par les femmes mariées. Côte d'Ivoire. Paris réussi pour la relance du Cococha Festival. Le traditionnel Cococha Festival de Bengerville a signé sa 5e édition du 8 au 10 avril dernier au Centre des métiers de l'électricité. Selon Papa Ingen, président de la Fondation Aoguet, porteuse de ce festival des cultures et des arts culinaires du terroir, il s'agissait de relancer la machine après 3 ans d'interruption du fait de la COVID-19. En 3 jours de festivités, avec une affluence qui a franchi la barre des 2500 festivaliers, notamment au grand concert du dimanche 9 avril avec Yabongolova et au grand buffet de Cococha le lundi 10 avril. C'est sur une note de Paris réussie que les lampions se sont éteints sur cette édition spéciale, tenue sous le coparrainage des honorables Djadja Emmanuel, chef d'Akanje, et Awaka Agbo Ghislain Alfred, chef d'Adjamé Bengerville. Le Cococha Festival 2023 était placé sous le patronat d'Anne Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique. Cameroun, Charlotte Diponda, désormais Madame Owoyebe. La chanteuse camerounaise est officiellement devenue l'épouse de Fernandez Lopez Owoyebe, ancien combattant d'art martial mixte camerounais-français et actuel entraîneur de MMA. Après la demande en mariage suivie du mariage traditionnel en décembre 2022, Charlotte Diponda et Fernand Lopez se sont officiellement mariés ce samedi 15 avril 2023 à Mbeng au Cameroun. Nos vœux de bonheur au couple Owoyebe. France, Eurovision 2023, la Zara inquiète. C'est elle qui représentera la France lors de la 60e édition de l'Eurovision qui aura lieu à Liverpool au mois de mai. Malheureusement, la Zara n'est actuellement pas au mieux de sa forme. Son dernier concert prévu à Amsterdam, samedi 15 février dernier, a été annulé suite à un problème personnel, comme l'a annoncé le compte Twitter Eurovision France en soirée. Affaire à suivre. C'est pas du cinéma. Il meurt de faim pour rencontrer Jésus. 4 personnes ont été retrouvées le jeudi dernier, mortes dans le comté côtier de Kilifi au Kenya, alors qu'ils attendaient la fin imminente du monde. La police a retrouvé le groupe dans une forêt où ils vivaient depuis plusieurs jours sur les instructions d'un prédicateur local qui leur a recommandé de jeûner en attendant de rencontrer Jésus. Les autorités ont déclaré, après avoir secouru 11 personnes, dont 6 étaient émaciées et dans un état critique. Les fidèles appartiennent à l'église Good News International, dont le pasteur a été entendu par la police pour avoir exhorté ses partisans à mourir de faim afin d'atteindre le ciel plus rapidement et retrouver Jésus. Allez, bien le bonsoir, j'espère que vous allez extraordinairement bien. C'est le 138e numéro de la saison pour MMB. On espère que pour ce numéro du bonheur, on vous apportera toute la chaleur nécessaire. Et je ne suis pas seule, bien sûr, et vous le savez, elle est encore là, mémé craca, qui n'arrêtera jamais de me faire craquer, quand même. Oui, c'est bien trouvé, mon fils. Cette fois-ci, tu n'es pas insolent, tu es très bien éduqué. Vraiment, bonsoir à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Vraiment, courage à vous qui aidez vos enfants à réussir. Bonsoir. 138e numéro, c'est pas facile. Ouais, 138e numéro, oui, quand oui. Même, avec un autre... Hey, maman Suzy, mets un peu la caméra sur le de pain. Maman Suzy, bonsoir, bisous quand même. Toi, tu es ma fan numéro 1. Notre numéro de téléphone, le 27 22 42 58, sur lequel vous allez devoir nous appeler dans quelques instants. Et juste à côté, justement, c'est PK, Patricia Quadio, notre Oui, Gigi, ben, je vais très bien. Je suis trop contente de te retrouver. Ouais. Ainsi que Mémé Cracra, son super DJ. C'est mercredi et nous sommes fidèles au poste. Bisous à maman. Et c'est un mercredi où il pleut sur la ville, quand même, pourrait-on le dire, la ville d'Abidjan, pour vous, ceux qui y sont. Allez, voici le temps de retrouver maintenant l'invité de... MMB! MMB, je vous demande d'accueillir sur notre plateau Monsieur Touré, PDG de Cracra International. Ouais, président, ouais.
Monsieur Clacra, arrobase. Oh, Seigneur. Oh, c'est un plaisir. Eh, hey, Seigneur. Voilà. On paie mes amémés comme ça, hein? En rappelant justement que Touré, arrobase, est le PDG de Cracra International, puisque en tout cas, le nom de son entreprise a le même nom que Mémé Cracra quand même. Tu sais quoi, le hasard n'existe pas. Ah, hein. Jamais. On est tous ensemble, non? Toujours. Toujours. Comme on descend, parce qu'on se ressemble. Ah, t'as vu, non? Oh, il est bon. J'aime bien l'idée de la rime, là, tous ensemble, comme on descend, parce qu'on se ressemble. Allez, bienvenue, Touré. Merci. Je dois t'appeler quoi? Arrobase ou Touré? Ou Touré arrobase, je dois coller les deux en même temps, ça les deux en même temps, ouais. Touré arrobase, oui. Allez, on va comprendre dans quelques instants pourquoi tu t'appelles arrobase et que tu n'es pas l'ami de Bill Gates. Avec plaisir. Allez, justement, je te présente ma petite famille, la mémé la plus célèbre de la télé, c'est Mémé Cracra. Comment avec son sourire qui ne la quitte jamais quand même. Bonne arrivée. Merci. Et celle qui est habillée aux couleurs de la passion et du feu, justement, c'est Patricia Quadio, que tu connais. Enchantée, Patricia. Et puis juste derrière, un enfant d'un DJ. Aïe. Il faut laisser, c'est Berka. Allez, bien sûr. Maintenant qu'on a présenté la famille à l'invité, il est temps de présenter l'invité à la... famille. Et c'est bien sûr Patricia Quadio qui va nous lire l'incroyable destin de Touré arrobase. Effectivement, l'enfant de Port-Boué est avec nous. Et c'est un grand plaisir de le recevoir parce qu'il faut le savoir, il a grandi à Port-Boué, une belle commune d'Abidjan, ici même en Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, tu as posé la question de savoir pourquoi il se faisait appeler arrobase. Parce que déjà, dès l'âge de 7 à 9 ans... Parce qu'à la base, déjà, en fait, oui. Il était un peu comme Aro. Mais non, ça n'a rien à voir. Quand il était enfant, il avait des connaissances bien précises en électronique, en informatique. Effectivement. D'où le sobriquet... arrobase, les parents qui ont voulu qu'il s'appelle comme ça. Sinon, en vrai, ils ont bien voulu avoir un médecin. Mais le monsieur et a dans dit tous non. Les, dans, pourquoi dans tout ce qui existe dans le lexique de l'informatique, c'est arrobase on t'a donné. On t'a pas appelé computer, par exemple. Ouais. Mais j'ai mon oncle qui Windows. Était un passionné de l'électronique. Et donc, il trouvait que j'étais le mot de passe en électronique. Ah, OK. Voilà. Lui aussi, il t'appelait le mot de passe, déjà. Le mot de passe, déjà. OK, okay allez, voilà. On va continuer notre... Oui. Notre bio. Alors, je l'ai dit à l'instant, les parents ont voulu qu'il soit médecin. Effectivement. Et ça n'a pas été chose faite. Il a voulu tracer son destin, ouais. Comme il a fait. Alors, ça n'a pas été facile hein, pour ce monsieur assis devant nous, parce qu'à la base, c'est un grouilleur. Il ouais. a voulu chercher de technicien de surface à manager, on va dire d'artiste. Et pour parler d'artiste, là, ce sont ces personnes-là qui ont fait... on va dire grandir le mouvement, le coupé décalé. Effectivement. Je me rappelle de Map Kepula DJ. Oui. Enfin, Feu Desi Champion. Il y a pas mal d'artistes qui l'a managé. Willy et Dombo. Oui, Willy Dombo aussi. Le dernier artiste en date. Ouais. Et voilà. Juste après toutes ces expériences-là, il a été le premier manager propriétaire de bar en Côte d'Ivoire, ouais. qui est à féliciter comme un. Merci. Ouais. Il a eu les moyens et il a réalisé son rêve. Dans alors, le, c'est dans le record Guinness. Hein. Oui, si tu veux. Alors, juste après, il a voulu s'essayer aussi au métier de réalisateur de cinéma. Ouais. Il s'est approché d'un grand maître réalisateur camerounais du nom de Ndem. Léandre Ndem. Léandre Ndem, c'est bien ça. Ouais. À côté de qui il a formé ses armes. Ouais. D'où, on va dire, la création de son institution. Ivoire Cinéma. Cinéma ouais. C'est bien ça. Ouais. Alors, le monsieur, il fait Abidjan-Paris comme Abidjan-Williams. On peut voyager comme, ça. Le Google Williamsville, comme Adjamé Trezilou, comme Marcory Gonzacville. Mmh. Mais depuis là-bas, il a... Après, c'est pas du cinéma. C'est pour dire que ce gars-là, il prend l'avion comme on prend le... Merci, c'est bien ça. Okay. Tu as trouvé le mot qu'il fallait. Alors, depuis là-bas, il a décidé de créer donc, cette marque ivoirienne pour valoriser déjà son pays et tous ceux qui vivent sur la terre ivoire. Okay. Avec le symbole, un éléphant là, qui grandit vers le ciel et tout. Ben, nous, on est très heureux de recevoir ce monsieur, arrobase, ou encore Touré Aboulaye. Donc, madame, monsieur, bonsoir. Merci. Allez, Touré arrobase est l'invité, vous Merci. Le savez, de cette émission. Et c'est la première fois quand même que tu passes dans cette émission ou c'est la première fois. C'est la toute première fois que Touré arrobase passe dans cette émission. Ouais. Et dans cette émission, évidemment, quand on reçoit un invité, une personnalité, c'est pour avoir son avis sur un sujet de société. Ouais. Et un sujet qui va vous plaire ce soir. Madame, monsieur, voici le débat de... MMB. MMB. Pardon.
parle couramment, évidemment, dans la vie de couple, le sujet de l'adultère, un sujet assez délicat, justement, dans la vie de couple. L'adultère, c'est-à-dire quand vous êtes en couple avec quelqu'un, mais pour la plupart du temps quand vous êtes marié et que vous avez une relation extra-conjugale, hein, ou bien vous couchez ici et là, mais pas seul, mais pas qu'avec celui avec lequel vous vivez. Allez, mais dans ces cas, est-ce l'adultère de la femme qui est plus pardonnable ou l'adultère de l'homme qui est plus pardonnable? Voici le sujet du jour dans le couple. L'adultère, dans le couple, l'adultère de qui est facilement pardonnable? Numéro de téléphone, vous le connaissez, il s'affiche au bas de votre écran. 27 22 40 12 58. 8. Et justement, on est avec Atouré @. L'adultère de qui on peut pardonner facilement dans le couple? L'adultère de l'homme. Ah bon? Non, parce que t'es un homme, ça c'est sûr. Non, pas parce que je suis un homme, mais... Pourquoi c'est l'adultère de l'homme? Mais pour moi, l'homme, dans sa généalogie, dans son essence, lui-même, il est plutôt volage. Et la femme, c'est celle-là même qui donne la vie et qui doit rester avec son homme et lui accorder une fidélité. C'est quand même un peu réducteur, quand même, parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait que Adam et Ève, et non Adam, Ève et Hawa. Non, effectivement. Hein? Mais moi, pour ma part, c'est vrai que Adam et Ève, on les a connus en tant qu'hommes et femmes. Adam n'était pas polygame déjà, donc l'homme était censé depuis le départ. Ils étaient deux déjà, donc il n'y avait pas lieu de commettre l'adultère. Après, on ne sait pas le serpent. Est-ce que le serpent était la seconde femme qui était dans le. Dans le jardin. Allez, ouais, question. Ça, c'est une question. Parce que souvent, on dit des femmes qu'elles ont une langue de vipère. Mais d'où vient cette expression? Je ne sais pas si c'est du jardin. Allez, nous avons au téléphone un téléspectateur. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, la femme. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Marcory. Allez, pour vous, dans le couple, c'est l'adultère de qui est pardonnable? L'adultère de la femme ou l'adultère de l'homme? L'adultère, bien sûr, l'adultère de l'homme. C'est l'adultère de l'homme qu'on doit pardonner? Oui, oui. Pourquoi c'est vous, les hommes, qu'on devrait pardonner, justement? Et pourquoi, franchement? Pourquoi? Oui, je ne peux pas concevoir qu'un homme marié une femme puisse même me tromper. Mais c'est impossible. Mais on doit concevoir que toi, tu trompes, en fait. Bon, en tout cas, pour lui, il n'a pas de problème. Il dit forcément, c'est l'adultère de l'homme que l'on doit concéder, que l'on doit pardonner. Allez, merci beaucoup. C'est à l'homme qu'on concède l'adultère. Allez, allez, mémé cracra, justement. Oui. Ravi, justement. Oui. L'adultère, quoi? C'est l'homme ou c'est la femme qu'on pardonne? Tu sais, j'ai vécu 35 ans avec un homme, un certain ancien Chiadolphe. Oui, mémé. Avant, il a dit quoi, 32? Tu as dit 32. Aujourd'hui, c'est devenu 32. 35 ans, c'est moi qui ai vécu avec mon mari. Ah, d'accord. Allez, je dis allez. Les nombres d'années que je veux. Alors, donc, je veux dire une chose. Vous savez, Assin Hachi, je l'ai connu très tôt. Hein. On avait déjà 18 ans et lui, il avait peut-être quoi, 22 ou 23 ans, tout comme ça. Mais il avait déjà une aventure. Mais quand il m'a vu... 18 ans, 32 ans. Non, 22 ans, il a dit, tu écoutes bien mais tu n'écoutes pas. Petit insolent. Donc, je disais, donc, quand on s'est rencontrés, il avait déjà une aventure avec une jeune fille, hein. Mais c'est moi qui ai pris la place. Donc, je savais que déjà, c'était quelqu'un de pas très sérieux. Mais c'est moi qui l'ai ramené à la raison. Mais on a vécu 35 ans. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup consolé des choses. Est-ce que les femmes aujourd'hui dans les foyers n'arrivent pas à comprendre? C'est l'adultère de qui qu'on doit pardonner? C'est l'homme qu'il faut pardonner parce qu'il est né comme ça. Mon fils l'a dit. Donc, quand je regarde la science, je lui dis, fais attention, au moins, respecte-moi. Il a fini par avoir deux enfants. Moins, mais moins, je n'ai pas ça. Au moins porte un préservatif à l'extérieur. C'est ça veut dire ça. Quoi? Tu parles de qui, là? De bon, il est mort, quand même. Non, non, tu sais, il était dans le corps. Hein. C'était un homme de l'armée, donc déjà de nature. C'est gens qui aimaient ça. Et donc, je me suis habitué à ça. Jusqu'aujourd'hui, je dis encore une fois, il faut respecter l'homme et que la femme... Il faut concéder, justement, l'adultère. Il faut vraiment concéder. Hein, l'adultère à l'homme. Ça arrive. Aimez-vous. Et à la femme, on doit lui concéder la stricte fidélité à l'homme sans jamais être... En tout cas, moi, j'étais à la maison, je faisais ce que je pouvais pour le maintenir, pour faire tout, pour le maintenir à la maison. Mais jamais, il va entendre que moi, j'étais... Parce qu'il y en a qui m'ont dragué quand même. Hein. C'est pas dit qu'on m'a pas dragué, mais j'ai tout fait pour éviter ça. Allez, je vous rappelle justement notre sujet dans le couple, l'adultère de qui est facilement pardonnable. Allez, bonsoir, comment allez-vous? Ouais, je vais bien, j'y vais. Madame, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir, comment tu vas? Salut, Médo. Et de San Pedro, pardon. Ça n'avait pas pu. Allez, Ahmed, ça t'arrive d'avoir quelques relations adultérines? Enfin, pour être plus simple, ça t'arrive de tromper ta femme? Est-ce qu'il y a un enfant dehors?
Ouais, une fois passant, hein. Une fois allez, en passant, vas-y. Mais on ne sait pas où tu passes. En passant. C'est ça, le problème. En passant, là. C'est... Une fois allez, en passant. Allez, pour toi, justement, faut-il pardonner l'adultère de l'homme ou de la femme? Bon, pour moi, c'est pour l'homme qu'il faut pardonner. Quelle raison c'est vous pour avancez? L'homme qui est pardonnable. Voilà, pour l'homme est pardonnable. Pourquoi? Bon, je prends des arguments banals comme ça. Normalement, c'est l'homme qui s'en va épouser, c'est l'homme qui s'en va doter, c'est l'homme qui fait tout. Donc, je pense que pour lui, est un peu aisé. Comme il sourit. Petit bandit. Vous voulez dire, vous voulez dire en fait qu'il est en train de rembourser son investissement en fait. Bon, c'est pas un remboursement, mais. Non, enfin, bon, où c'est la plus-value de l'investissement, l'adultère de l'homme. Merci encore, justement. On est d'accord là-dessus. Pas de souci, les hommes défendent les hommes. Et aujourd'hui, les femmes défendront-elles les femmes? Patricia Quadio, l'adultère de qui est facilement pardonnable dans le... Effectivement, je vais défendre encore et encore la femme. L'infidélité de la femme est pardonnable. Alors, je m'explique. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Il faut un minimum de confort, il faut de l'assurance, il faut de l'amour. Tu es avec le monsieur, tu lui montres que tu l'aimes matin, midi, soir, mais le monsieur n'a jamais le temps, il est tout le temps parti en réunion, il est tout le temps parti en voyage. Tu pries pour ne pas céder à la tentation. Mais ces femmes-là qui veulent dire qu'ils ont flanché et qui ont reconnu, qui ont demandé pardon, c'est pas parce qu'elles aimaient quelqu'un d'autre dehors, c'est pas parce qu'elles voulaient tromper forcément le mari, mais il y a eu un moins quelque part. Parce que le monsieur, quand tu viens, il est toujours fatigué, il dort, il n'a pas le temps, le lendemain, il est reparti pour aller faire ses galipettes et tout. Mais la dame, après, je vais vous dire, c'est un humain. Après, on la pardonne. Elle a un cœur d'humain. Donc après, elle a des besoins. Si elle va, c'est parce que quelque part tu as flanché. Non, comment on fait pour lui pardonner, c'est ça? Non, on lui pardonne parce qu'on donne des arguments. C'est pas les raisons, en fait. C'est pas les raisons pour lesquelles... Je commençais par ça, déjà. C'est pas les raisons pour lesquelles l'homme ou la femme devienne adultère. Hein. On a un appel au téléphone. Bonsoir, justement. Tu là-bas, on revient ici. On a un appel de Korogo, Koulibaly. Comment ça va, Koulibaly? Allô? Allô? Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Korogo, c'est ça? Ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Koulibaly? Comme ils ont passé l'émission à la RTID, là. OK. Une femme a pardonné au bien garçon, là, c'est là que je voulais m'engager un peu pour parler. OK, on vous écoute, on vous écoute. Hein? On vous écoute, on vous écoute. Hein? On dit, il parle. Aïe? Comme il dit de pardonner garçon, il y a d'autres qui disent de pardonner femme. Oui. Pour moi, c'est pour pardonner femme. Ah. Ah bon, pour vous, c'est les femmes qu'il faut pardonner. Oui, oui. Papa, parce tu que as raison. Une fois que tu es marié, si femme t'a fait déjà une enfant, ah. Il t'a fait tout. Et si tu vois, c'est pour pardonner femme. Hein? Ah. Mm-hmm. Les femmes, il faut pardonner. Pas vu. OK, en tout cas, parce monsieur. Parce que si tu es marié déjà, si femme t'a fait un enfant, là, il t'a fait tout pour le monde. Oui. Oui, femme est importante, il faut le pardonner tout le temps, là. C'est ça. OK. Mais si elle n'a pas alors, fait d'enfant, on fait comment? Si tu as une femme, là, tu vas jamais être toi-même. OK. Merci, papa. Okay, le monde est créé. Allez-y. Le monde est créé comment? Par les femmes. Je veux dire, je pense qu'elle a voulu terminer, peut-être. C'est sûr. Là, on ne l'a plus au téléphone. On ne va pas le rappeler pour qu'il nous dise la vérité. Le monde est créé comment? Bon, on va prendre le dernier appel pour l'instant et revenir sur ce plateau pour écouter @ et dans quel cas il pourrait pardonner quelques écartades. De sa femme. Dans quel cas tu pourrais pardonner les infidélités de ta femme? Bon, dans quel cas? Est-ce qu'il existerait des cas où tu pourrais pardonner une infidélité de ta conjointe? Ça n'existe pas. Pourquoi? Ça n'existe pas dans la mesure où, lorsque je choisis une femme, c'est pour la garder pour moi. OK. Voilà. Tu ne la partages pas, quoi. Et je ne la partage pas. Et quand c'est moi qui choisis. Pas, tu non, mais... C'est pas elle qui m'a choisi, je suis désolé. Mais quand tu partages pas, tu restes tranquille. Mais si, dans la mesure où. Pour qu'elle soit à l'aise. Attendez. Ça peut arriver que je peux sortir et puis voilà. Ça peut arriver comme ça, mais je rentre à la maison. Mais toi, tu pardonneras pas une infidélité de ta femme, devrait-on dire? Bon, d'abord, même pour moi, personnellement, c'est pas bon quand même de tromper son conjoint, d'abord à la base. Mais si ça arrive, je préfère que ça soit du côté de l'homme que de la femme. Parce que la femme, c'est sacré pour moi. Oui.
oui, c'est sacré. Mais l'homme, c'est pas sacré. L'homme, c'est pas sacré, c'est poubelle. Donc l'homme, il n'a pas. La femme, c'est plus sacré, c'est ce qu'il veut dire. On se conserve. La femme, c'est sacré. On évite d'aller voir Dieu. Ma fille, il ne faut pas aller voir Dieu. C'est ce qu'on te dit. Parce que depuis on est petit, d'abord même. On respecte, c'est bon. Depuis on est petit. D'abord, on chuchote plus les femmes que les hommes. Bon, on va aller du côté de Koumassi où nous attend Boukari. Koumassi, Boukari, comment ça va? Ouais, ça va un peu, monsieur. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Boukari, est-ce que si votre femme vous trompe, vous allez lui pardonner ça? Non, vraiment, il ne pourra pas pardonner. C'est quoi, tu as dit, la fois, reprends, tu as dit quoi? Boukari, justement, mais pourquoi tu ne pourras pas pardonner ça? Parce que pour avoir une bonne famille, il faut avoir une bonne femme. C'est la base, Oui, c'est la base. Pour avoir une bonne famille, il faut avoir une bonne femme. C'est ça. Mais toi, il t'arrive pas de tromper ta femme par moment, d'avoir d'autres relations? Bon, même si garçon trompe femme, c'est pas un problème. OK. Mais il faut pas la savoir quand même, Ouais, mais bon, elle ne devra pas savoir, Elle ne devra pas savoir. Mais pourquoi pour la femme, vous trouvez que c'est dangereux? La femme a le droit d'avoir autant de plaisir que l'homme quand il est dehors. Mais parce que la femme, c'est elle qui fonde une famille. Parce que l'homme, lui, il fabrique rien, en fait. L'homme, lui, il broute comme un animal. C'est pas un problème. Non, c'est agi à brouter pendant 35 ans à côté de moi. Attendez, Donc, si l'homme broute comme un animal, il a plus de temps pour manger le gazon, les herbes, que de s'occuper des autres femmes. L'homme peut faire enfant pas à tout. Enfant, la femme est dehors là-bas. Oui. Mais la femme m'a fondu là. Ok, on a bien compris. Merci Boukari. En tout cas, il est inspiré. Pour vous, en tout cas. On peut pardonner à l'homme parce qu'il broute comme les animaux. Merci beaucoup. Oui, Chichi. Les femmes, vous ne broutez pas. Donc l'homme est un brouteur. On a Ngué Sanzoukou au téléphone, une femme. D'accord. Reste peut-être... ma fille. Ne sois pas. Alors, Gigi, ce que je voulais faire savoir aux gens, c'est vraiment, ce n'est pas mon cas. Est-ce qu'on a dit que c'est ton cas? Patricia, ce soir, on a dit ton nom. Reviens. Est-ce qu'on a dit ton nom? Écoutez d'abord. N'aie pas peur de défendre les femmes, évidemment, qui ont le droit. Small down. Déjà, ce n'est pas mon cas. Mais ce que je veux dire, pour la plupart des femmes à qui c'est arrivé, quand on a eu l'occasion de les écouter, c'était par manque d'affection. C'est-à-dire, le monsieur, les maris, elles sont à la maison un peu comme un objet d'art. Bon, après, vraiment... est-ce que c'est seulement... C'est pas une raison, quand même. Manque d'affection. Mais écoutez, le manque d'affection, on va revenir mais s'il y a manque d'affection... C'est arrivé une fois, elle a pardonné. Vous pouvez mettre fin à la relation. On va revenir dans un instant, on a une téléspectatrice. On revient ici. Elle a dit qu'elle a un foyer comme ça. Allô. On revient ici. Allô, bonsoir, madame. Merci, Achille, il était bien. Bonsoir, ça fait plaisir, Annick, de vous avoir au téléphone. Salut, comme ça, en direct. Alors, tous les hommes qu'on a eu au téléphone disent qu'il est plus facile de pardonner l'infidélité de l'homme que celui de la femme, par exemple. Et êtes-vous d'accord avec ce constat-là? Je suis pas d'accord, bien évidemment. Je suis pas d'accord. Quoi, ça? L'infidélité de la femme est plus facile à pardonner. Merci. Parce que les hommes, c'est une autorité publique qui sont des infidèles. Tout peut-être que ce sont eux qui disent mari et tout ça. Et les femmes, c'est de notoriété privée qu'elles sont infidèles, c'est ça? Elles ne sont pas infidèles des chefs, en fait. Elles ne décident pas d'être infidèles. Merci, c'est ce que je disais à l'instant. C'est ce que Patricia Kouadio disait tout à l'heure, et j'apporte carrément dans le même sens qu'elle. On va l'écouter. Une meuf dans la maison qui n'a droit à rien. Le monsieur à côté dit qu'une dame, la femme est sacrée. Je suis d'accord, mais la femme avec qui tu me trompes, elle n'est pas sacrée aussi pour quelqu'un. C'est femme de quelqu'un aussi. Non, mais il faut arrêter, parce que moi, la fidélité, là, franchement, c'est à moi, elle parle. C'est pas que pour les hommes. Si on veut s'y mettre, et puis vous allez perdre le match aussi. Ok. La femme est sacrée et l'homme est fétiche. Voilà. Allez, merci. Ça, là, on sent que c'est une femme qui peut frapper son mari à la maison. Non, est-ce qu'elle a un mari? C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir. Il faut bien demander. Appelez-la pour demander. Elle parle avec autorité. Elle n'a pas terminé. Elle est là. Vous avez déjà
il vous est arrivé de pardonner l'infidélité de l'homme avec lequel elle est partie. Donc, ce n'est pas plus grave non plus. Ah, tu peux lui poser la question, tu peux l'appeler. Alors, nous, on dit aujourd'hui, si une femme est infidèle, peu importe les raisons pour lesquelles, parce que chacun peut... C'est dangereux. La liste des raisons pour lesquelles on devient infidèle est assez grande. Mais la femme... Il y a toujours une raison, mais ce n'est pas le lieu. Des plaisirs et peut avoir un coup de foudre. Il ne faut pas penser non plus que les femmes sont les personnages. Effectivement, ça peut arriver, des coups de foudre. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec... Tu sais que nous, on a été éduqués, élevés dans des familles très pieuses. Hein. Ouais. On a compris une chose. C'est que la tentation, il faut tout faire pour résister à ça. Sinon, quelle femme qui n'est pas draguée tous les jours? Moi, je me draguais au moins 1000 fois par jour. Mais j'ai tout fait pour préserver mon foyer. Ça, c'est qu'il racontait pas de quoi aux jeunes filles. Laissez les hommes faire ce qu'ils veulent. Et c'est facile de pardonner un homme. Très bien. Il faut aider vos maris. Vous êtes à la maison, tout le temps, en train de vous habiller comme des filles, n'importe quoi. C'est la mémé cracra, c'est bon. Aimez vos maris. Aidez-la à rester à la maison. Mais dès que vous pointez le nez dehors, c'est gâté. Là, le foyer fout le camp. Mais tu as des filles. Je vous dis ça aujourd'hui. On l'a fait ça, tu n'as pas aimé, je suis désolée. Non, non, je rappelle quand même. Je suis désolée. Je rappelle que... Centrons le débat. On le centre. Il y a des femmes qui éprouvent les mêmes envies aussi d'avoir d'autres relations que les hommes. Pour résister. Il ne faut pas croire non plus que les femmes sont des saintes nippes. On est nés comme ça pour résister. Les femmes sont composées de, comme les hommes. Le même cœur que les hommes. En fait, Gigi, ce que je voulais dire, quand il y a eu infidélité, ce n'est pas parce que c'est une habitude. C'est parce qu'elle a encaissé, elle a supporté, elle a analysé, elle a regardé. Mais à un moment, là, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de moment, ma fille. Il n'y a pas de robot. Une femme, elle a un cœur comme un homme. Donc, le moment où elle tombe, là, si elle est tombée, c'est qu'elle en avait marre. À un moment, donc on peut pardonner ça parfois. Allez, Patricia, s'il te plaît, Patricia, évidemment. C'est son rôle de... Où vous parlez, là, ces femmes aussi, c'est enfant de quelqu'un. On a Kémo de Boisflé. Faut savoir... Ça s'appelle comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Kémo, allô, bonsoir, Kémo. Allô? Est-ce qu'il est là? Kémo? Oui. Kémo, c'est un homme. Kémo, on écoute votre mot sur le sujet. Il vient de se réveiller ou bien? Moi, je pense que ouais, c'est de deux côtés. Hein. C'est de deux côtés. Adama. Ouais. Ça veut dire quoi, deux côtés? On peut pardonner. La femme aussi, on doit la pardonner. Et le monsieur aussi, on doit la pardonner. Il faut qu'on se pardonne toutes les deux. Ouais, en fait. On la pardonne. Il faut m'arrêter ça, monsieur. Allez, donc pour vous, évidemment, c'est 50-50. Non, c'est un homme. 50-50. Toi, mais est-ce que vous, si c'était à votre place, quoi, si votre femme vous trompait, vous allez pardonner son infidélité? Peu dépend si j'ai des enfants avec elle, j'ai des projets avec elle. Et si je ne suis pas au lit, je la pardonne. OK, donc quand vous avez des enfants, ça veut dire que tout ce temps-là, vous n'avez pas assuré. Oui, mais ça dépend. Quand on dit assuré, par exemple, tu sors, tu as des maîtresses dehors, et puis tu viens, la femme, elle est là, tu dors, et puis elle a besoin aussi son plaisir. Merci beaucoup, justement, merci beaucoup. Alors, Touré @, est-ce que tu comprends cette tendance à expliquer l'infidélité de la femme par le fait qu'elle est forcément blessée par l'homme? Une femme peut avoir des envies autant qu'un homme en a. Mais c'est des prétextes vraiment incongrus. Parce que il y a un proverbe cracra qui dit on ne va pas aux toilettes pour aller péter. Donc, on ne va pas. Il aime ce genre de proverbe, ce monsieur-là. Peut reprendre, on n'a pas bien compris. Tu as la télé nationale. Quelle perte de temps ça peut être d'aller aux toilettes. Si tu ne vas pas là pour faire, tu fais quoi alors? On va pas aux toilettes pour péter. On va faire autre chose. D'accord. Donc, c'est pour dire que tu ne vas pas rentrer pour uniquement faire ça. Mais pour moi, c'est des prétextes mais qui n'ont pas de sens dans la mesure où la femme, si elle se sent maltraitée ou elle ne se sent pas bien, elle va voir ailleurs, elle choisit un autre homme. Même les hommes, s'ils ne se sentent pas bien avec la femme avec laquelle ils sont... Les hommes, c'est des brouteurs. Eux, c'est des brouteurs. Après, c'est pas parce qu'il y a bientôt la tabassique que vous allez nous comparer aux moutons. Hein, pour arrêter. Hein, si vous pensez que la tabassique, c'est bientôt, n'allez pas non plus dans les herbes. Mais mémé cracra, justement, pour la mémé que tu es, les femmes ont aussi ce droit de se faire plaisir comme les hommes le font tous les jours. Se faire plaisir comment? On va commencer à imiter les hommes maintenant. Nos mamans même là, dès qu'on voit, elles voient qu'on est un peu en détresse là, elles nous appellent, elles connaissent leurs filles. Maman m'a plusieurs fois appelé, qu'est-ce qu'il y a plus, tu es là dans le foyer, il dit que tu le boudes. Et je lui ai expliqué que je l'ai vu deux, trois fois, on ne m'a pas dit, mais je l'ai vu. Il n'a qu'à arrêter ça. Elle a appelé, lui a dit, il dit non, il va arrêter. Il n'a pas arrêté.
Mais à un moment, il faut prendre sur soi, il faut souffrir. Mais c'est l'amour qui fait ça. On n'est pas obligé de faire comme l'homme. Il va boire bière, tu vas boire bière. Il va chercher femme, tu vas chercher garçon. Pourquoi? En ce moment, tu es en train de te souffrir. Moi, par exemple, je vous fais une confidence. Il est appelé à le faire, mais dans le strict respect, il doit te respecter. Est-ce que c'est pas culturel, finalement? Touré Arrobas, justement, oui. Tu voulais donner ton avis sur quelque chose. Voilà, j'ai dit que moi, j'ai un exemple. J'ai un ami, sa femme l'a trompé, il a pardonné. Et elle a pris goût à ça, elle est tombée enceinte. Et l'enfant n'est pas de lui. Et donc, du coup, là... Mais voilà, c'est des dangers. C'est des risques. C'est des risques. C'est des dangers. C'est des dangers pour la femme. Il fallait lui demander ce qui s'est passé à la maison. C'est des dangers pour le couple. Non, il a pardonné à sa femme. Elle s'est habituée parce que le gars, l'autre côté, il a pris goût. Il est violent. Il a arraché la femme. Il a des non-dits. Ton ami, t'as pas tout dit. Ça, c'est pas un gourou, mais... Il t'a pas tout dit, ton ami. Bon, on va rester dans le vif du sujet, justement. Est-ce que c'est pas parce que c'est culturel en même temps, parce qu'on vit dans une société où on est habitué à avoir la polygamie. Nos parents ont toujours eu une ou deux, trois et plusieurs femmes dans leur foyer, pour lesquelles on préfère beaucoup plus, justement, pardonner l'homme. Si on était dans une société où c'est... Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est à la fois culturel et spirituel aussi. C'est pas spirituel. Voilà, c'est spirituel, oui. Pour ma part. Qu'est-ce qui est spirituel là-dedans? Dans cette histoire-là. Oui. C'est profond, cette histoire d'infidélité et d'adultère. Parce qu'un homme, tant qu'il est viril, moi, je suis heureuse. Non. Moi, je suis heureuse. Assis, assis, il a trop fait les preuves dans le quartier. Voilà. Partout où il passait, c'était pas un petit garçon. Et je suis fier d'avoir été à ses côtés jusqu'à sa mort personnelle. Vraiment, c'était un garçon en paix à son âme, vraiment. Oui, oui. Tu n'as pas connu, mais je t'envoie deux de ses photos tout à l'heure, petit. Mais pourquoi c'est spirituel? On va terminer justement là-dessus. Pourquoi c'est spirituel? C'est spirituel dans la mesure où, même dans les églises, dans les mosquées. Bon, c'est vrai que dans la Bible, le roi Salomon et le roi David, voilà. Évidemment, n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. C'était pas des enfants de cœur. La femme devait supporter. Voilà. Elle devait trouver la solution de savoir pourquoi son homme la trompe. C'était le combat des femmes dans le passé, au temps de la préhistoire, au temps de Simon Templar. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Simon Templar rentré, là. Je crois qu'on va demander à l'invité d'aller aux toilettes pour péter. Et pendant ce temps-là, on pourra continuer l'émission. Je vous rappelle que mon débat est terminé pour aujourd'hui. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant, juste après Patty, qui a rencontré Papou. Non. L'artiste. Patty a rencontré qui? Papou. A rencontré Papou. Bon. À l'époque, il s'appelait Petit. Il s'appelait plus Petit Papou. Il s'appelait Petit Papou, il faisait beaucoup. C'est la sonorité, la symphonique. Oui, ça arrive. Voici tout de suite Patty, notre selfie paparazzi. C'est parti. C'est la folie des cadeaux sur l'émission MMB de RTI2. Le jeu Cash à Gogo est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite. Cadeau KDO par SMS au 98-114 et tente de gagner 50 000 francs CFA par jour et un super lot de 500 000 francs CFA cash. Les 500 000 francs CFA cash peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cadeau KDO au 98-114 et tente ta chance. Cadeau au 98-114, c'est à toi de jouer pour tenter de gagner les 500 000 francs CFA. Coût du SMS 100 francs CFA. Salut mes selfies spectateurs, j'espère que vous allez bien. Jeudi, j'ai rencontré pour vous l'une des grosses stars de la musique mondaine de notre pays, la Côte d'Ivoire. Regardez qui c'est. Pour un chef, mais pas un chiffon. Exactement, comment ça va? Ça va bien. Hey, on peut rester frais comme ça? Oui. C'est la Côte d'Ivoire. Tu sais que les Ivoiriens prennent soin de leur... Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça fait de revenir au pays après cette longue absence? Oh, ça m'a manqué tellement. Le pays m'a manqué. Côte d'Ivoire m'a manqué. Ça m'a fait plaisir. Mm-hmm. J'ai raté beaucoup de mariages. Mais en même temps aussi, tu chômais pas, Papou. Oui, tu étais aux États-Unis, en Europe pour des spectacles. Et même à Abidjan ici, non, je n'aime pas. Parce que chaque week-end, on a des mariages. Si ce n'est pas un mariage, c'est baptême, sortie, anniversaire. Donc, nous-mêmes, tellement on est occupés, c'est moi de carrément on se repose. D'accord. Parce qu'on prend des programmes 3 mois, 4 mois avant.
D'accord. Bah, en tout cas, bienvenue chez toi. Aqua Banon est content de te revoir. Et puis, on va le dire, hein, c'est vrai que tu as eu beaucoup de tournées là-bas à l'extérieur. Oui. Mais tu as sorti quand même un beau titre là. Oui. C'était le 31 décembre, non, si je ne m'abuse. Oui, si quel est l'est. D'accord, ça parle de quoi? C'est un Yakuba. Il dit, tout, nous tous, on va partir demain. Voilà. Parce que si tu es venu ici, la terre là, un jour, tu vas partir. C'est ça. Voilà. Je dis, on n'est qu'à accepter. D'ici, Dieu va nous créer. Dieu a créé notre destin. Si tu vois quelqu'un est ministre, c'est son destin. Si quelqu'un est milliardaire, c'est son destin. D'accord. Donc, si tu dis tu ne veux pas voir le destin de quelqu'un, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est ça que tu dis dans la chanson, là. C'est ça que je dis dans la chanson. D'accord. Maintenant, c'est plus petit papou. Hein. C'est papou. C'est grand papou maintenant. Petit d'accord grandi, ouais. C'est ça. Alors, on va. Hein, tu vas nous fredonner au moins. Décalé Mandin qui nous a fait danser. Aïe, Kanye Moya Kangana Kandaro. Kakidaro Kanye Badinya Kangana Kandaro. Hey! Kakidaro Kanye Singhia Kangana Kandaro. Kakidaro Kanye Chelasi Kangana Kandaro. Sania Kidaro Yaki Kono Noman Ubenadanga. Oh, papou! Moi, je m'en fous. Je m'en fous de les jaloux. On peut s'en foutre comme ça. Après moi, il n'y a rien. Oh, merci là-bas. Hey, j'ai été trop contente d'être avec lui, de l'avoir trouvé pour vous, mes amis. Oui. D'ici là, portez-vous bien. Oui. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Vraiment, je prie aussi pour toi. Ainsi profane, notre selfie paparazzi. Et puis, à très bientôt, mes selfies spectateurs. Alors, quand moi, je me suis toujours dit, quand on est un artiste qui s'appelle Papou, oui. Quand on pense avoir grandi, on se fait appeler papa, et quand on pense qu'on est en fin de carrière, on se fait appeler papy. C'est un papou, peu plus simple. Papa, papy. Papou, papa, lui, papy. Les agères, quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? À ce stade-là, encore petit papou. Non, il dit qu'il s'appelle plus petit papou. Il a dit qu'il s'appelle plus. Voilà. Et il était grand quand il a commencé. Donc, c'est abusé. Allez. Là. Allez, on va aller maintenant justement pour. Je vais te poser quand même une question. Tu es à Abidjan pour quoi exactement? Ben, je suis là en tant qu'investisseur. C'est notre président qui est là, hein. Voilà. PDG, voilà. En tant qu'investisseur, et dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé dans le marché noir et arrivé, oui, comme on appelle le black market. Ok. Voilà. Donc arrivé en Europe. On a eu la force, assez d'expérience pour pouvoir... Et beaucoup d'argent, évidemment, pour pouvoir investir aujourd'hui. Il faut rappeler quand même que tu étais... Tu as me vendre au village. Quand tu étais... tu parlais de petit papou, là, tu as oublié. Il faut rappeler quand même qu'à force de travailler dans le black market, quand il a commencé à Paris sa carrière, il travaillait au noir. Allez, voici le quiz de MMB. Elle est la lumière. Allez. Nous sommes en direct dans cette émission, c'est le quiz musical de MMB. On va tester tes connaissances musicales. Première chanson d'Erka DJ. Il doit deviner le nom du son. Voilà, qui chante ça? C'est un zouzou là. Magic System. C'est bon? Magic System quand même, mais Derka. Justement, puisque Derka. Ancien boulot. Allez, deuxième chanson de ce quiz. C'est qui chante? Alain Guédé de Toulouse. Attends. Dieu a créé l'homme à son image et a fait de le voir heureux. Il lui a trouvé une compagne. Ça, tendance. Ça a mis succès. Ah ouais, quand même. Sa voix a changé. Sa voix a changé. Oui. Ouais. C'est le premier, peut-être. Je rappelle qu'il n'était pas passé au Galédrome d'abord avant d'entrer en studio. Il t'a dit quoi? Tu peux répéter ça? On va partir pour la troisième et dernière chanson. Ah, ça, oui. Et c'est qui chante ça? Cruz CB. Est-ce que vous savez que Chris TV, justement, a emprunté cette ambiance-là à Yellowman à l'époque? Yellow? Ouais, Yellowman, ouais. Yellowman. Le reggae? Zungo. Non, oui, c'est ça, Yellowman. Zungo. Maintenant, c'est ça. C'était mon artiste, d'ailleurs. Il a accéléré. C'était mon artiste au temps de Chris TV Collectif DJ. Ah ouais? Libérer mon pays, là. C'est ça qui est un homme. Nous, on veut la paix, c'est ça qui est la vie. Très bien. Voilà. Très bien.
Qui l'a deviné? Attends, remets. Manu Jolie. Elle est là d'ailleurs. Si je connaissais pas ça, elle allait s'asseoir sur moi. Non, c'est pas mal, justement. On termine notre émission dans quelques instants. Queen Manu Love, désormais. Oui, Manu DJ. La Dagabada. Tu n'as même pas demandé Cracra Inter, même, c'est quoi? Oui, Cracra Inter, c'est quoi pour terminer? Cracra, c'est dans le jargon ivoirien. Tu es un grouilleur, c'est ça? Voilà, c'est dans la langue Nushi. Une association. Et du coup, Cracra, c'est persévérant. Partie de rien et devenir quelqu'un, être un battant, une battante, donc qui se symbolise en courage, réussite, abnégation. Donc pour porter cracra, il faut être courageux, il faut être courageuse. Un autre cracra aussi, on le salue justement en direct dans cette émission, c'est le président des DJ Luciano, président à vie de cette association. Ah, il y a à vie dedans. Ouais, pour lui, c'est à vie. Je ne crois pas que... C'est un dictateur. C'est un dictateur. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Allez, que l'on salue aussi Emmanuel Zoli qui nous ont fait l'amitié d'être présent dans ce studio. On salue aussi l'équipe aussi qui est là. Ah oui. Le bureau cracra qui est là aussi. Okay, cracra Côte d'Ivoire. La prochaine étape, ça sera quoi? La prochaine étape de... The next step, comme on dit en anglais. Ben, la prochaine étape, on est en train de finaliser d'abord les magasins dans les 10 communes d'Abidjan et aussi dans les villes de l'intérieur. Pour les costumes et tout. Et voilà, on fait tout genre. Allez, c'est pas mal, justement. Comme que nous tous avons porté. Donc, c'est dans le vestimentaire. Une usine de fabrication d'une marque dans le nord de la Côte d'Ivoire. On va choisir une ville. Allez, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On te souhaite bon vent dans ta nouvelle activité. Merci. Merci. Moi, je dis merci aussi à Aïcha Boutique. Ouais. Merci de m'avoir sapé. C'est pas une un nom, mais on n'aura pas le temps de Aïcha Boutique. Elle a très vite. Merci Mémé Cracra. On te retrouvera la semaine prochaine. Hein. Merci d'avoir été là, justement. Et puis Patricia Quadio, tout le rouge. Oui, demain. Et puis à vous, chers téléspectateurs, merci infiniment d'être restés en notre compagnie. On se retrouve demain à partir de 20h05 pour un autre numéro de MMB. À demain. Il a payé pour mon voyage. Il a payé pour mon travail. Il a payé.